Minecraft pour l'épisode numéro 10 de Deadly Dreams, peut-être le dernier j'espère, néanmoins que vous allez bien. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai construit ça, j'ai fait de l'eau, j'ai fait plein de trucs, je vais vous montrer mon stuff qui dépote avec toutes les potions. C'est pas drôle, enfin bref. P4 solidité 3 au niveau du casque, P4 solidité 3 au niveau du plastron, P4 solidité 3 au niveau des du pantalon et P3 solidité 2 au niveau des bottes. J'ai encore de l'XP, mais bon, c'est un peu la merde. C'est pratique, hein, vraiment, ce nouveau système d'enchant. Tu te mets au-dessus du niveau 30 et après, dès que tu descends en dessous, tu retapes quelques mobs, boum, tu repasses. Enfin, c'est génial. L'épée qui est complètement cheatée. Alors, j'ai découvert que je pouvais pas faire de knockback 3, mais c'est pas grave. T4, recul 2, aura de feu, donc fire aspect 2, solidité 2, unbreaking 2, donc au calme. Bon, la pioche elle est toute nulle, l'arc power 5, punch 1 au calme. Et sinon j'ai des popos de résistance au feu prolongé, des popos de vitesse. D'ailleurs j'ai bien une vitesse 8 minutes s'il vous plaît, ça pourrait... Attends. Si j'ai encore la redstone sur moi. Hop voilà. Force 8 minutes avec une un peu plus poussée si ça commence à devenir un peu problématique. Et beaucoup de régène, de soins instantanés, etc. Tout ça... Ça me paraît pas mal, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup de régène, un peu de soin instant. Je vais me refaire un soin instant de niveau 2, hein, je pense. Voilà, vitesse 8 minutes, on sera bien. Oh, toi je t'avais pas vu. Bah voilà, on va prendre les 3 pommes en or. Voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Voilà, instant niveau 2, on va refaire une. Et on va les combattre. J'ai de la bouffe. Ça, je les ai. Bah, c'est des mobs que j'ai tapés, hein. Notamment lui. Enfin, lui, je l'ai pas encore tapé. Sinon, il serait mort. Oh, tu serais mort. Bon. Ah là là, ça va dépoter. Ça va dépoter les poteaux. Et en plus, je vais pouvoir vous montrer. Dépoter les poteaux. Putain, faut que j'arrête. Je vais pouvoir vous montrer en plus mon petit chemin de fer que je vous avais pas montré la dernière fois. Donc, ça va être l'occasion. Alors. Qu'ai-je fait? Ah oui, puis au fait, j'ai ça aussi, au cas où. Qu'il nous arrive des pépins, on a encore un peu de stuff. Qu'ai-je fait? Il est là. Il est là. On va virer toi. Voilà. Allez, on s'en va. On va taper du mob. On va essayer de se faire les deux laines aujourd'hui. Je vois pas trop ce qui pourrait nous arrêter. Ah si, la nuit. À dormir. Et on va se mettre bien. Moi, je vous le dis, on va se mettre bien. Ça va être ouf. Ça va être oufissime. Allez, on est parti. J'espère que ça va bien se passer. Ce serait un peu dommage quand même. Un briquet. Est-ce que j'ai du silex? J'ai un briquet direct. On est bien. Qu'est-ce que t'as, toi? Voilà, merci bien. Bisous, à plus. Allez. On va se mettre bien. Moi, j'ai envie que ça explose de partout dans le Nether. J'ai envie d'un final apocalyptique, mais où on en sort vainqueur avec nos deux laines, avec le monument de la victoire complètement complété. Tout ça. Voilà. Voilà, regarde, des dégâts de chute, on les prend même plus. Enfin, on est cheaté, là. On est cheaté. Par contre, on tombe dans le vide et c'est fini, hein. Voilà, il va falloir faire gaffe. Oh, j'ai même pas pris les dégâts, là. Regardez, le petit chemin de fer, on monte dans le card. Et c'est parti! Oh oui. Regardez ça. Hey. Alors ici j'ai pété le truc. Enfin il y avait un... Il y avait une protection de truc de laine. Là je l'ai défoncé. Et puis j'ai tout reconstruit, hein. Voilà. Vous avez vu, bon, c'est fait un peu en mode roomish, hein, comme on peut dire. Mais c'est pas grave, ça marche, ça fonctionne. On est tranquille, ça nous emmène dans le plus grand des calmes jusqu'au portail. Voilà, c'est plutôt pratique, je dois l'avouer. Là, on y arrive. Parce qu'en plus, on peut vite se paumer dans ce machin. Ça m'a pris un petit moment quand même à faire ce délire. Hein. Mais on y arrive. Voilà, hop. Et nous y sommes. Merci bien. Et on est parti. Alors, on va prendre la résistance au feu. Elle est prolongée, hein, rassure-moi. Oui. Ouais, il y a encore des blocs ici. Ici, j'ai encore quelques trucs, c'est cool. On prend la résistance au feu, on prend la popo de vitesse. Et on prend une
pomme en or, voilà, on va dire. Et on va prendre la popo de force. On est parti. Alors, voilà, là, on craint plus grand-chose. Enfin, je dis ça. Oh putain, si, si, on. Wouah! D'accord. On s'en fout en fait. On prend pas les dégâts dus au feu. Vous savez que vous êtes dans le truc de l'enfer de Terraria. Gna gna gna, it turned out pretty well. Bon, c'est la merde. Allez. Oh putain. Ah ouais, il y a le Nether là. Oh le Nether quoi. Toi, tu vas te calmer. Mais tu vois, là, j'étais one shot. J'ai un power 5 au fait en arc. Hein, je vous l'ai pas dit ça. Il y a des araignées, c'est le bordel. Je sais pas où je dois. Oh putain, il y a du diamant partout. Oh là là, il y a du diamant. On peut pas clean la... on peut pas safe la zone. Ça, c'est pas possible. Par contre, il y a des spawners. Et les spawners, on va les défoncer. C'est parce que je le vaux bien. Putain, il y a du diamant quoi. Il y a du diamant. On ira le chercher une autre fois. Le diamant est toujours là, de toute façon. Toujours dans la zone de l'enfer. J'étais one shot. Alors, d'accord, les spawners à ghast sont un peu hauts. D'accord, c'est pas des ghasts réveillés, c'est juste des spawners. Alors vous allez m'emmerder. Je vous one shot. Je one shot n'importe qui. Je m'en bats les steaks. Voilà. Je sais pas où aller. Bon, on va y aller. Là-dedans doit y avoir un truc. Obligé. Obligé, il y a quelque chose. On va virer les torches, ça va pas nous servir. J'entends des poules. Ce qui n'est pas classique. Je sais pas, ça a tiré quelque part. Du diamant, on ramasse. Hop, en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Sans déconner. Y a rien ici, y a pas de laine, y a... Legendary King Excalibur. 30... Putain, elle est encore plus puissante que la... Enfin non, parce qu'elle est en or, mais... elle aurait pu être plus puissante que la mienne. On est vraiment pété, hein, clairement. Pourquoi j'arrive pas à monter, moi? Et monte! Ah bah voilà. Putain, y a du diamant dans cette zone. C'est toujours dans la zone de l'enfer qu'il y a du diamant, on le sait, hein. Et pourtant, à chaque fois, je vais jamais voir. Bon là, on se serait fait allumer, hein, si on y était allé au début de la map, clairement. Mais je vois rien, par contre, ça m'inquiète. Je vois pas de laine. Ouh! Coucou, toi. Hop, on va remonter. Il nous reste 5 minutes de chaque, c'est cool. Ok. Virer le briquet, on va quand même prendre des torches. Voilà, c'est cool les torches. On a 20 diamants, on s'en fout. On veut pas des diamants, nous, on veut mieux que ça. On veut des laines et il n'y en a pas. Où sont les laines, bordel? Je comprends rien à cette zone. Dans la tour en face? C'est pas possible la tour en face. Non, je pense pas. Tout en bas peut-être. Et non, on y allait ici. Il n'y a rien dans cette zone. En bas, il y a quoi? En bas, c'est du Nether encore, hein, c'est ça? Ouais, il n'y a rien. Il y a du blaze, ça ne me dit rien, qui vaille, va sortir par là. Il y a une structure là-bas, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Des araignées. Hop, au revoir le spawner. On va être plus tranquille quand il n'y aura pas de spawner, ça c'est sûr. Là c'est une zone qui paraît... Ah ben non, mais c'est de là où on vient. C'est une zone qui paraît plus moderne quand même. Avec des spawners planqués, etc. C'est plutôt cool. Je vous one shot, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? Voilà. Popo de force, c'est vraiment pété. On va monter là-haut. On va monter. Ah, spawner. Il y en a de partout des spawners. Il y en a au plafond pour les blazes. Les blazes et les ghasts sont en hauteur. C'est un peu problématique. Toi, ta bouche. Voilà, toi, tu meurs. Hop, allez, on va se grouiller. Je sais pas où sont les laines, donc c'est un peu un problème. Ça, c'est quoi ça? Iron tools and food. Peut-être prendre pour la bouffe. Le reste, on va le laisser, on s'en moque. Voilà. Il faut peut-être que je mange d'ailleurs en parlant de ça. Ouh, toi, tu dégages. Merci bien. Ouais, faut régène un peu. Du coup, on va prendre la bouffe. Un petit ghast.
à qui on dit au revoir et à bientôt. Y a-t-il des... Putain, je sais pas où elles sont, les laines. C'est où, ça? Vous m'avez saoulé. Je vous le dis. On vient d'où, nous? Ça, là-haut, y a quoi? C'est quoi? C'est chez nous ou pas? Putain, j'y comprends rien, à cette zone. Là-bas, c'est encore sombre. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore, là? Encore du stuff? D'accord, alors, on est OK que les laines sont pas là. Combat supplice level 1, on s'en fout. Toi, tu meurs. Voilà, on les a désingués. Désingués. Je sais pas où aller, hein. Franchement, là, je suis un peu perdu. Il y a une tour là-bas, on va aller voir. Elle a l'air assez similaire à la première, mais bon. Hop, wow. Ah! Et une laine! La laine, non. Putain, j'ai plus de place déjà. Ça me fait peur. À prendre à la place de ça, on va pas lancer un peu de la merde qu'on a sur nous. Le panneau, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et on repart à la chasse aux laines. Ça se passe plutôt très bien, hein, faut le dire. Toi, tu meurs. Oula, plus qu'une minute. D'accord, plus qu'une minute. Là-haut, il y a moi qui ai la dernière laine, hein, je ne sais pas. Continue à casser des choses. Notamment des spawners. Les spawners, c'est le mal. C'est la base, quoi. Le spawner, c'est pas bien. Là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de laine, hein, franchement, dans ce tour-là. Je sais pas où peut être la dernière. En tout cas, personne ne nous fait de dégâts, hein. Oh, coucou, toi. J'aurais peut-être dû prendre une efficiency, ça reste un peu long à casser, les spawners, mais c'est peut-être la seule amélioration qu'on aurait pu faire. Où est la laine noire, sans déconner? Est-ce qu'elle est là-haut? Je la vois là-haut, moi. Là-dedans, dans un des trucs comme ça, là. Ok, on est en train de perdre un petit peu. Qu'est-ce que t'as? Alors, ils sont vénères, mais pas contre moi. C'est un début. C'est un début. Si je le tue, ils vont être vénères contre moi ou pas? Non. C'est une bonne nouvelle. Ça aurait été un peu la merde, par contre, là. Ouh. Ah non, bah non, c'est de là où on vient. Oh putain, si, ils sont vénères contre moi. Ah, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup? Ah oui, c'est un très très gros problème, même. Je m'éloigne, mais c'est pas gagné, quoi. Crève. Ils sont encore vénères contre moi, c'est ça? Ok, on va se barrer. On a une laine, on va se barrer, on va se mettre bien, on va se safer un peu, comme on dit. Enfin, non, on le dit pas, mais moi, je vous le dis. Alors là, on prend feu. Ça pose problème. Là, c'est la mouise. Là, c'est la mouise. On était beaucoup trop bien jusque-là, jusqu'à présent. On va s'enfermer dans un mur et on va attendre un petit peu. Voilà. Voilà. Le temps de se remettre plutôt bien. N'est-ce pas? Je récupère juste ça. Voilà, merci. Alors... on va prendre la résistance au feu, c'est la plus importante celle-là, hein, clairement. On va prendre force 2. Et moi, tu vas voir que je vais te nettoyer la zone. Hein. Moi, je m'en fous. Je suis comme ça, moi, force 2. Hop, régène. Régénération 2. Puis je vais aller éclater du... Vous m'en voulez plus? C'est gentil, ça. Elle est là-haut, la laine, c'est obligé. Il y a des spawners. On va y aller. Des blocs, on a des blocs et on monte. Mais dans le nether, donc on n'aurait pas pu poser d'eau de toute façon. Il y a des blazes, on s'en bat les steaks des blazes. On passe dans le mur un peu. On craint plus rien. J'ai envie d'aller en hauteur, la laine doit être là-haut, hein, c'est obligé. Qu'est-ce que t'as, toi? Hop là. La laine ne doit pas être... Putain, j'ai cru que j'allais tomber.
pas être trop loin, logiquement. Alors ça, c'est la tour qu'on avait explorée, ouais. C'est cool, mais ça ne me dit pas où est la laine. Je sais pas où elle peut être, cette foutue laine. Là, y a quoi, là? Y a rien. C'est la merde! Putain, je comprends pas où c'est. C'est un problème quand tu sais pas où c'est. C'est un sacré problème, crois-moi. Ça me fait rien, tes conneries, là. À part que c'est chiant à regarder, le feu, là, comme ça, mais sinon... Ça ne m'a strictement rien fait, je sais pas où est la laine. Franchement là, je ne situe pas. La laine noire est dans un endroit absolument incon... emmerdant. Est-ce là-dedans? Je crois pas. Franchement, je pense pas. Où c'est qu'il y a la place de foutre de la laine? Sans déconner. Hein. Sans déconner là. Je la verrais bien là-bas. Putain, je sais pas. Je sais pas où elle peut être. Je sais pas où elle peut être, franchement. Je vois vraiment pas où elle est. Parce que là, il n'y a rien, on est d'accord? Cette zone-là, c'est un peu le... Ouais. C'est un peu le néant. On a des blocs. C'est cool. C'est cool, on a des blocs. On a de la résiste au feu. On va sauter comme ça, du coup. Voilà. Je sais pas où elle peut être, cette laine. Sans déconner. Hop là! Qu'est-ce que t'as cru, Pélo? Ah oui, merde, il leur faut deux coups maintenant pour que je les tue. Ils allaient arrêter de me saouler, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas chargé à fond, je crois. Voilà. Putain, je dirais bien qu'elle est là, moi, mais ici, en plein milieu? Non, tu ne me tapes pas, s'il te plaît. Ils m'ont l'air vénère, quand même. Les ghasts aussi, un peu. Il y a des zones bizarres de partout, en fait. Ça m'énerve, ça. Je comprends pas où ça peut être. Bon, là, voilà. On va juste se décaler un peu. Comme ça. Et on va... On va se mettre là et on va creuser, hein, ce que je te dis. Y a pas de laine non plus. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, on est chaud. Donc ouais, y a rien du tout. Encore une fois, c'est un problème. C'est un gros problème. Et d'ailleurs, je ne sais même plus où est ma plateforme. Ok. Ok. La laine noire, s'il vous plaît. Elle m'énerve, la laine noire. Où es-tu, laine noire? Je suis pas allé là-bas. Je suis pas allé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'accord. Pourquoi il y a ça ici? Pour rien? Pour rien. Ok. Là, je situe vraiment pas. Hein. Franchement, je suis un peu perplexe. Je suis un petit peu perplexe de la... des choses qu'on nous propose ici. Je ne comprends vraiment pas où est le problème. Où est la laine noire? Je n'ai presque plus de buff, de résistance au feu. Je ne comprends pas. Non, sans déconner, là, c'est un peu la merde quand même. Putain, on a eu la laine rouge aussi facilement que... Que voilà. Et là, on a été très nul. Hop. Okay. Ça, on va le prendre parce que sinon, ça va me perturber jusqu'au bout. Voilà. Je mets de la torche, hein, qu'est-ce que tu veux? Je mets de la torche. Là-bas, il y a la laine qu'on a trouvée tout à l'heure. Hop. Vous êtes toujours aussi vénère, vous? Ou... Non. Ça va, ils sont calmés. Alors, j'éclaire partout. Voilà, ça c'est comme ça. Hein. Mais ça m'avance pas en fait. Ça m'avance pas du tout. Il me reste 2 minutes. J'ai envie d'aller péter du
Ghast. Coucou. Au revoir. Tiens, il y a un truc à Blaze ici. On va aller le casser. Il est où? Il est là. Alors les spawners à Ghast, ça y va en mode YOLO. Hein. C'est YOLO les spawners à Ghast. Mais en attendant... en attendant, je ne trouve toujours pas... Où est le problème? Power 5, merci beaucoup. Et si je trouve pas, il va falloir rentrer à la maison, simplement. Hop, ça c'est fait, ça en fait un en moins. Oh mon dieu. Je suis la merde là. Mais meurs toi. Bon, je reviens. On va retourner à la maison. On va se rebuffer un peu. Et on va revenir tout défoncer. On va juste se refaire des popos, une popo de force, une popo de résiste au feu. Et on va rentrer à la maison. Et donc je vous dis à tout à l'heure ici pour chercher la laine noire qui va me poser souci. Allez, à tout de suite. Gros bisous. Et on se retrouve devant le portail du Nether. On va manger nos potions. Vitesse. Force. Et précipitation. Allez, on est parti. Je vais vous montrer un truc bizarre qui s'est passé. Attendez, vous allez voir. Voilà. Il y a deux portails du Nether. Il n'y en avait qu'un tout à l'heure. Hein. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé pour agrandir la salle parce que je voulais faire une base là. Et au final, j'ai changé d'idée. Et je suis tombé là-dessus, en fait. Il y a un dig ici. Alors je sais pas où ça nous... Oh, le bordel. Attendez, moi je retire un peu mon casque parce que là je ne supporte plus le bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La laine noire doit pas être bien loin, moi je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, sans déconner, sans déconner, sans déconner, sans déconner. C'est quoi ce bordel? Non, mais heureusement qu'on a un stuff pété, on pourrait pas là. Barrez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oh putain, on est withered. On est withered. On est wizard pendant 3 secondes, ça va. C'est jouable. Ah oui, je me suis fait une pioche en diamant du coup. Putain, il y a une sortie par là. Arrête de courir toi. Oh là là. Bon, je pense que tout le reste du... ça doit être par là le passage. S'il y avait un dig, ça veut dire que là, on s'en fout en fait, je pense. Attendez, on va faire ça. Je vais condamner la porte. Nous, on veut juste la laine noire. Putain, c'est rien condamné du tout là. Attendez, parce qu'on n'a pas fini là après. Bordel. Non, mais regardez-moi ce délire, quoi. Oh là 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 là. Voilà. Bon, là, c'est condamné, on va monter. Putain, il y a des trucs de comme ça de partout, t'es sérieux. Heureusement qu'on les one-shot, hein. Putain, mais ça spawn super vite, ces trucs. Oh là là. Barre-toi. Putain, on peut même pas avancer, quoi. Pourtant, on est pas mal stuffé, tu vois. C'est ouf, ça. Oh, il y a une forteresse géante. T'es pas sérieux. T'es pas... Sérieux, la forteresse géante là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est Somnium place to hide now. Assaut la citadelle et virez cette horreur de votre esprit. C'est le donjon final. Vous êtes prêts? The fortress. La forteresse du... Oh putain, la forteresse du bordel, ouais. Ok. Du coup là-bas c'était juste le début qu'on a eu là-bas. Putain, mais je suis tombé sur le dig en voulant agrandir la salle. Moi j'ai toujours des trucs comme ça un peu chelou. Bon, on est failli on est... Oh putain, t'es pas sérieux. Voilà, ça on va le péter.
sais pas où on doit aller, hein. Clairement, j'ai pas la moindre idée de l'endroit où on doit aller. Pourquoi elle me tape sans cesse les araignées? C'est pas possible, ça. Je mets des trucs... Putain, une venimeuse. C'est là que je me dis, pète-moi la barrière. Putain, il est nul ce cast. Healing. On prend, on s'en fout, ça pourra toujours servir. Ah putain, c'est quoi ce délire? Oh là là. Bon, on s'en fout, on résiste à tout ce bordel. Allez, on s'en va là-dedans. Un spawner de ça là-dedans? Non, y a pas. C'est cheaté, bordel. Oh la saloperie. C'est quoi ça? Oh, y en a partout là-dedans. Ah, mais elles font vraiment mal ces trucs, hein. Voilà. Meurs. Là-haut, ça se combat. Ils sont en train de se taper entre eux sur la gueule, hein. Putain, tu vas me saouler, toi. Je vais détruire ça avant. En balèque. Tu meurs, toi aussi. Tu vas crever de toute façon. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Il y a rien ici. T'es pas sérieux qu'on va supplice level 2. Il y a quoi là-dedans? Pomme en or, pomme en or. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais y arriver. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Allez, on avance. On se balade. On va faire ça comme ça. Hop. Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. C'est du PVE. Tu meurs. Je me fous de toi. Oh là là, regardez-moi ce bordel. Oh là 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 là. Oh putain. Je sais pas où je suis là. Clairement, je vais m'éloigner. J'ai presque plus de vie, donc on va se barrer. C'est la guerre là-haut, hein. Combien encore? 2 minutes, la résistance au feu. Putain, oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans une merde. C'est par là, je crois, non? Il y avait une grande tour. On va aller voir la grande tour. Putain. Faut des blocs. Là, il y a une immense tour. Ça doit être ici. Il y a tellement de bordel que le jeu bug au niveau des... Au niveau des sons. J'aurais jamais dû faire ça, je crois. J'ai 1 minute 43 pour monter. Je sais pas où je vais, hein. Clairement, je sais pas où je vais, je vous le dis. C'est la merde, là. Putain, vite, crouille, crouille, monte, 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 monte. Monte, bordel. Je crois qu'on peut passer par là. Putain, yolo. On s'en fout, on a du stuff en diamond, le pire. D'accord. Presque plus de résistance au feu, c'est le bordel, c'est le bordel. C'est là-dedans, je suis sûr, c'est là-dedans. C'est obligé que ce soit là-dedans. On peut pas passer par là. Bordel. Il y a bien un passage là-dedans. C'est dans ce tour-là, je suis sûr. Je suis sûr que c'est dans ce putain de tour. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Je suis sûr que c'est dans ce foutu tour ici, moi. Venez, on se la tente comme ça. Dans le plus grand des YOLO. Putain. Et ça va être le... Ça va être... C'est n'importe quoi, cette fin. On a plus de résistance au feu, on est dans la merde. Pour ressortir, je sais pas comment je vais faire, les mecs. Hein. Je vous préviens. Là, c'est... Là, il y a trop de pression, là. Allez, on va essayer. Alors, je sais pas où on va sortir, ici. Ça comme ça, hein. Faut que je te dise. Si je creuse ici, ça... Oh putain, non. On va pas creuser ici. Bon, on a perdu le speed, donc on a dû perdre tout le reste. Non. Oh, putain. Ah, c'est la merde. On s'en va.
Je sais pas comment faire là. Là, je suis en mal en point, comme on dit. Je suis plutôt mal en point. Je peux vous donner ce délire là. Pourquoi c'est comme ça ici? Putain, il y a l'air d'avoir une entrée, les mecs. Sans déconner. Hein. Sans déconner, il y a une entrée ici. Moi, j'y vais, hein, je suis un fou. Ouais, y a des entrées là-dedans. Regardez ça. Il y a quelque chose ici, là. Vas-y, 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 vas-y. Il y a de l'aglo. On peut pas rentrer ici. T'es sérieux, on peut pas y aller. Oh, non. Putain, il y a bien un chemin, c'est pas possible. Il y a un passage en bas, quoi. Sérieux. Il faut une underpearl. Une underpearl, on est bon, je pense. Putain, j'aurais dû prendre une underpearl, je suis con. Eh ouais! Bon. Je vais retrouver de là où je viens, hein, clairement. On va retrouver de là où on vient. Je vais rentrer à la maison. Je vais essayer. Je vais essayer de me faire un passage. Et attendez voir. Pas moyen de rentrer par là. Ou par ici même. Putain, t'es pas sérieux. Ah, parce que là, l'entrée, je sais pas trop où elle est. Hein. Clairement. Clairement, je sais pas trop où est l'entrée. Toi, tu vas mourir. Voilà. Ouais. Je sais pas trop par où aller, les mecs. Sans déconner. L'entrée de ce truc, ça m'a l'air d'être là. Ah non, c'est le pont que j'ai fait, ça. Par où qu'on doit passer? Sérieusement. Ça, c'est l'entrée, ça. On n'est pas si loin que ça. Ouh, il y a une trappe, là. Là, il y a des trappes. Il se peut que c'est par là. Voilà, donc ça, voilà pourquoi faut pas se balader comme ça au calme. Donc ouais, je vais retourner à la maison, je sais où c'est par là-bas. Et on revient ici avec une underpearl et de la résistance au feu. À tout de suite. Et re tout le monde, je suis buff. On va y aller, hein, on va courir. J'ai des perles et on va essayer de passer. Je sais pas de combien de profondeur est le trou. Bon, on va balancer ça comme ça. Ah. C'est derrière ce truc, non? Putain, c'est pas ça. Et j'ai pas lu. C'est impossible. Oh putain. C'est en dessous, non? C'est pas en dessous. Elle est où la laine, bordel? Elle est où? Pas être au-dessus, c'est pas possible. Putain. Oh là 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 là. Il nous a looté quoi ce machin? D'accord. Putain, hey, mais j'y arrive pas là, je comprends pas. Hein. Je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi cette zone de psychopathe quoi? Non, sans déconner. Hein. C'est quoi cette zone? Il y a des trappes là. Alors là-dedans, oh putain, si, c'est peut-être ce délire-là. Allez, là, on va en découdre, les mecs, on va en découdre. Moi, j'ai pas peur de vous, hein. Moi, j'ai pas peur de vous, je m'en tamponne. Mais alors, d'une force. Mais d'une force. Mais d'une force. C'est quoi, cette fin? Mais la fin est spectaculaire, par contre, hein. La fin des autres maps de la série était cool. Enfin, de la série de Corrupt Lands. Alors là, c'est vraiment ouf, là, ce qui se passe. Dis-moi que la laine elle est là, dis-moi que la laine elle est là. Dis-moi que la laine est ici, s'il te plaît.
sais pas par où je vais sortir par contre. Oh putain, il m'a tapé encore. Putain, crève. Crevez tous. J'ai trop d'effets de potion sur moi, c'est ouf. C'est ouf ce qui est en train de se passer. LOL. Bon allez, on continue. Mais jamais ça finit ce bordel. On va où là? Mais je comprends pas où on est. C'est quoi ce délire encore? Buffing. Cool. Pars-moi tout ça. On prend ça, on prend ça. Allez, yolo. Putain, mais je comprends rien de ce qui se passe. Je suis complètement perdu là. Je vous le dis, mais je suis complètement paumé. Je sais pas où aller là. Ah bon, on s'en fout ça. Je sais pas du tout où on va, où on est, ce qu'on fait. Elle est où cette foutue laine? C'est pas possible ça. Là, y a rien par là. Elle est forcément là-dedans, c'est pas possible. Putain, vous l'avez mis où la laine? Sans déconner quoi. Je comprends pas. Et j'arrive pas à sortir de ce délire. Voilà, vous êtes mort. Bonne idée. Il y a des ghasts là ou non? Non, c'est les blazes ici, putain. Oh là 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 là. Mais le délire que c'est ce machin quoi. Mais casse-moi. Il est où le spawner? Sans deck, où est le spawner quoi? C'est pas possible ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, vous? M'en fous, je vous démonte. La laine noire, où es-tu? Non, mais sans déconner. Hein. Je comprends plus. Moi. Elle est forcément là-dedans. Ou là-haut, il y a un tunnel. Il y a un putain de tunnel. Ça doit mener à la laine, ça. Par là, là. Oui, c'est ici. Putain. Dis-moi qu'il y a un portail du Nether au bout, s'il te plaît. Oh non, mort, vous allez pas me saouler, vous allez pas me saouler, je m'en fous. Qu'est-ce que... Putain, mais le zombie... C'est le zombie qui me met en feu, tu sais, les blazes, ils y arrivent pas, mais le zombie, lui, il me fout en feu, quoi, c'est... Qu'est-ce que t'as... Oh là là... Ils me font chier, ces trucs. Le Withered, comme effet, c'est chaud, parce qu'il veut... il te tue, celui-là, hein. On voit la laine quoi, s'il te plaît, on voit la laine. On arrive au bout. Putain, il est... c'était hardcore comme fin ça. C'est bon, je suis toute ma vie. Ah bah non. À cause de cet enfoiré là. Putain, oh, c'est chaud. Ça. Putain, et le mal quoi. Putain, on a presque plus de popo. Ah non mais là, il va falloir se rouiller pour la sortir. L'aide noire, merci bien, on se casse. On se casse très vite. Ah, je veux plus revenir ici, moi. Autant la première zone, ça allait bien, autant là, c'est l'apocalypse, le délire. Oh, putain de merde. C'est les deux cœurs d'absorption qui ont disparu. On va re-rentrer, on a plus de potions. Force 2. Résistance au feu. Speed. Allez, on est parti. Force 2, résistance au feu, speed. D'accord, ça a pris les deux, c'est cool. Et on n'a pas d'un peu de régène. C'est quoi ça? Régène 1 minute 30. Allez, on est parti. Remets-moi ça. On va se barrer. Où est la sortie? Putain, je sais jamais. La sortie est là-bas. Allez, on se casse. Putain! Ah, oh, c'était chaud. Tout à l'heure, pour vous expliquer comment je suis descendu, j'ai creusé. Je suis retombé sur le passage qui est là-bas et je suis passé ici, en fait. Et du coup, j'ai eu la sortie tranquillement.
la sortie tranquillement et le portail du Nether. Nous avons fini la map. Bon, le dernier épisode aurait été long. Hein. Voilà, toi je te tue, je m'en fous maintenant. Tu vois. 42 levels, normalement j'ai mon... Ouais, voilà. J'ai mon carte. Et on rentre à la maison, on va aller poser nos deux laines. J'avais laissé la rouge là-bas quand même, au cas où. Hein. Parce qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas trop bête non plus. Waouh, c'était stressant ça comme fin de map. Hein. Putain, heureusement qu'on avait un stuff correct, heureusement qu'ils nous le disent. Mais ouais, c'était chaud quoi. Heureusement qu'ils... Enfin, ils rigolent pas quand ils disent qu'il faut avoir un vrai stuff. Hein. Putain, c'était la galère. Ouais. Bon, mon épée a bien tenu quand même. Je suis plutôt content. Et voilà, nos buffs se finissent que maintenant. Putain, c'était la merde. Hein. C'était vraiment la merde. On arrive à la maison. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Hop. Tac. On va chercher la laine rouge. Et on va l'emmener. On va l'emmener. On va l'emmener au truc off altar. Allez, on y arrive bientôt. On y arrive bientôt. Voilà. Tac. En fait, c'est ouais, ça allait très vite de rentrer tout à l'heure. Mais il fallait. Enfin, fallait faire gaffe quand même. Je sais pas où est la laine rouge. Elle est. Non, elle est pas là. Ah non, elle est là. Hop. La laine noire est ici. On va amener tout ça chez nous et finir la map. Qu'on aura. D'accord. Putain, le mec il vient de te finir une zone de psychopathe et puis il est pas foutu de... Sans déconner quoi. Voilà. Mais voilà, c'était facile. Donc voilà, ouais, j'espère que cette map vous a plu. Elle aurait été plus courte que les autres, mais elle aura pas été forcément plus facile. Enfin, c'était assez spécial. On s'est quand même fait piéger, enfin, on a eu nos trucs habituels. Hein. Mais voilà. Alors moi c'est pas ma préférée des trois. Hein. Ma préférée des trois, ça reste... Ah, ça reste... Ouais, je dirais Floating Memories quand même. Mais je l'ai bien aimé quand même, hein. Franchement je l'ai vachement bien aimé. C'était, par contre c'était assez perturbant d'avoir des zones un peu partout. Rouge et noir, et c'est terminé. C'était, ouais, c'était assez perturbant d'avoir des zones un peu partout, mais bon, on s'en est sorti quand même, c'était plutôt cool. Le truc de le machin de l'altar, il est terminé. Il est terminé, il est beau comme ça, il est swag. Et on a fini la map. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, hein, tout simplement. Dites-moi si elle vous a plu, dites-moi si vous avez des idées de map, puisqu'on a fini la série Corrupt Lands. A priori, il n'y en a plus, il y a une course, je crois. Une espèce de course en 1 contre 1. Mais il n'y a pas forcément de map à proprement parler, qui... Il n'y a pas eu de suite, quoi, en fait. C'est un peu dommage. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées de map que je pourrais faire en attendant... Une autre CTM, ce sera une map à objectif, comme je fais à chaque fois, j'alterne. Je sais pas encore ce que ça va être, hein, j'ai pas d'idée, j'ai pas regardé. Je chercherai peut-être un truc propre à 1.9, je sais pas, je verrai. Voilà. Quoi d'autre? Donc voilà, bah aussi, dites-moi ouais, votre avis sur cette série, votre retour sur cette série dans les commentaires. Et puis je pense que j'ai fait le tour, à part vous dire que moi j'ai très bien aimé cette map. N'est-ce pas les mobs qu'il n'y a pas là? Putain, j'ai jamais eu de mob dans ce truc, c'est incroyable ça. Donc voilà, on a fait le tour je crois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette série et cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Enfin, partager, ouais, si vous pouvez partager ça, mais partager peut-être l'épisode 1, parce que si vous partagez la fin, c'est un peu con quand même. Enfin bon, bref, vous abonner, tout ça. Je vous ai remercié d'avoir regardé. Oui, je vous ai remercié d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde.